Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Legend of Zelda Twilight Princess en 4K. Et nous voici après avoir battu au sumo le chef des Gorons, le doyen. Nous voici enfin partis après deux épisodes, ce qui va assez vite, pour le deuxième donjon, qui est cette fois-ci la montagne de la mort, donc un peu le temple du feu, on va dire. Donc nous voici après leur permission pour entrer, merci beaucoup. Et c'est parti pour les... Comment ça s'appelle exactement? Est-ce que c'est les mines Goron? Musique très rassurante. Mines Goron, voilà. Ce n'est pas mon donjon préféré, mais j'aime bien l'ambiance. Mais en termes de ce qu'il propose en tant que donjon, ça va. C'est pas le meilleur. Ah, alors, ce qui est chiant, c'est que ce bouclier brûle avec le feu. Ça va être drôle. Ok. Bah, écoute, on va aller par là. Oui. Ok. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Waouh. Si cette roche est là, c'est pour quelque chose. Ah bah non, je pensais. Ah non, je pensais que je pouvais monter par là. Ah, premier ennemi du donjon qui va être un... Ah. Je m'attendais pas. Je m'attendais à pouvoir... Tu peux monter s'il te plaît, merci. Je m'attendais pas à pouvoir passer. Franchement... Je sais pas ce que je voulais faire. Ok, et là c'est pour rien faire. Donc qu'est-ce qu'il y a ici? Ok. Ah! Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il y a un coffre ou quelque chose? Je t'ai vu. Et ça, c'est quoi? Ok, bon, on va voir ce que c'est. Merde. J'ai pas le temps. Allez, salut. Quoi, c'est un raccourci? Ah oui. Ça a l'air de l'être. J'ai rien raté dans le chemin. Je dirais pas. Ok. Est-ce que je suis en train d'enregistrer? Ouais. D'accord. Normalement, j'ai raté aucun coffre intéressant ou important. Ah, cette scène. Ah, cette salle. Je l'aimais, cette salle. Ah, coffre important à droite. Bah, écoute, on va aller par là. Ils ont l'air de bien défendre un coffre important. Voilà. Et... Ah. Bon, clé, c'est aussi important que... Ouais. Pas mal. Ici, y a rien. Enfin, juste... Ouais, mais j'ai plus de...
Donc c'est rien. C'est rien que je fasse ça parce que j'ai plus de place dans le. Pour les. Rupies. Vraiment? Sérieusement? D'accord. Ah ouais, d'accord, du début. Sans problème. Bon, je vais faire attention. J'ai bien fait de ne pas sauter directement. Putain, limite, hein. Coucou. Il y a quelque chose. Je voulais pas faire ça, c'est pas grave. Ce n'est pas une mine, c'est un volcan leur truc. Et les grands s'y baladent comme si de rien n'était. Et un humain comme toi, si tu tombes dans la lave, tu es cuit. Merci Medna pour ces informations précieuses. Je ne savais pas. Est-ce qu'il y a des cœurs? Ce serait bien d'avoir des cœurs. Voilà. Bon, on y va. Petit à petit. What? Ben voilà. Par là. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenir, d'accord. Ah, vas-y. Laisse-moi passer. Ah. Oh. Oh là là, comme Indiana Jones. Ah, un peu d'eau. Ça fait du bien. J'ai vu l'interrupteur sous l'eau. Ça, ça a l'air d'être quelque chose d'intéressant et d'un... Oh, là, je suis carrément obligé. Voilà. J'adore. Ok. Nani? Tiens, tiens. J'avais senti une présence, mais je ne pense pas que c'est un humain. Pour autant, si Gorkoba t'a laissé passer, c'est que tu es vraiment fort. Je suis l'un des quatre doyens de la tribu des Gorons, et je m'appelle Gor Granny. Oh, jeune et brave humain, je t'en prie, viens nous en aide. Ah oui, c'est vrai, la clé. Justement, il s'est en trois morceaux pour avoir la clé pour le boss. Voici un des morceaux. Nous avons séparé. Super. Ah. Oh, Kayaya. Je l'ai entendu. Si c'est des rubis, ça me sert à rien. Bon, ça me sert à rien parce que. J'ai pas de place. Alors, bah du coup ça, ça doit être la carte. Exactement. Elle est pas là. Elle est pas là. Elle est pas là.
Bon, bah, elle est. Elle est par là. De toute façon, on sort par là, donc. Waouh! Ah, ça va mieux. Enfin libre. Oh, c'est toi? Je suis bien content de te revoir. Puisque le destin nous a de nouveau réunis, reprenons la route ensemble. Je te suis. Si tu veux sortir d'ici, parle-moi quand tu veux. Baba ou Kayaya? En espagnol. La Ukayaya. Ah bon, je peux pas utiliser le. Je peux pas utiliser le boomerang, c'est drôle. Ok. Bon, bah on va voir si ça change quelque chose dans les. Depuis. Ouais, ça change. Ok. Voilà, c'est la. Exactement. Alors, où est-ce que je vais? Ok. Ça serait bien de pouvoir rouler, mais bon, ça serait un peu logique, vu que je me tiens grâce au magnétisme. Ok. Je me rends pas compte de la distance avec le. Bah, vu que je suis en vert. Et de dos. Ouais, non, je préfère comme ça. Parce que sinon, je vois pas où je vais. Voilà. Ok, donc là je vais pouvoir activer l'interrupteur pour avoir le magnétisme. Et là ça va me permettre d'aller dans plusieurs zones auxquelles je ne pouvais pas aller avant. Donc coucou les gens. Voilà. Voilà. Quatre coups de grâce. Ok. Donc maintenant, où est-ce que je veux aller? En fait, peu importe, parce que j'ai vu aucune zone. Il va pas me chercher? Ah, d'accord. On va voir où il me laisse comme ça. Bon, j'étais déjà ici. J'étais déjà ici. Voilà, c'est là où je ne suis pas allé. Voilà. Il a esquivé. Oui, non?
Je m'attendais pas. Ok, donc là c'est l'autre. Hein. Coucou. Ouah, je voulais pas faire. Je voulais pas faire ça. En fait, j'ai cliqué sur Y pensant que c'est le bouton pour attaquer, mais pas du tout. Voilà. Bon, par ici, il n'y a rien qui m'intéresse en tout cas, parce que j'ai le sac rempli. Voilà. J'en étais sûr. C'est drôle comme il l'ouvre là en entier. Ok. Il faut aller voir ces clés, hein. Et donc pour aller par là. Ouais, là, faut aller par là. Et on refait surface. Voilà. Est-ce que tout va bien? Ok. Attendez un instant. Tout va bien. Et ça, c'est quoi? Nice. Zup. D'accord, je dois me laisser tomber en fait. Ouais, c'est ça. La force qu'il doit avoir sur la main pour tenir le poids, quoi. Et en plus, c'est sur la poignée, quoi. Il est comme ça, quoi. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est une... Rien du tout. Enfin, rien du tout. J'ai plus de place, donc... rien du tout. Hell. Bonjour. Oula, 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 oula. Est-ce que je vérifie parce que la caméra elle se comporte un peu bizarrement. Ah. Toum. Ah, donc il faut. Attends, y a un timing? Un timing sérieux? Je suppose que je vais devoir faire celui-là en sautant. Ça c'est... Ah ok. Ok sinon...
Ouais, je pense que ça va être ça parce que normalement t'as les flèches pour faire ça, mais t'as pas les flèches. Et le boomerang, je pense que ça marche pas. Non, putain, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Mais j'ai pas de clé. Ah si, si, j'ai une clé. Si, j'ai une clé. C'est pourquoi ça en fait? Allez, tiens, ça ouvre la porte. Putain, je me visais. Allez, salut. Au revoir. Personne ne m'a vu. Il tire d'ici. Mais ils vont pas m'atteindre. Vous gâchez des munitions, les enfants. Faut se mettre à couvert. Qu'est-ce qu'il y a ici? Y a rien. Ah non, y a rien. Et pourquoi je voudrais déplacer ça? Oh là là. Dis-moi que c'est la clé. Yes. Cours, Indiana, cours. Oui, j'ai failli sauter par réflexe. Okay, sinon je peux pas aller là. Non, je peux pas aller là. Ouh. Presque. Ça c'est la deuxième, nice. Oh, bravo, tu es parvenu jusqu'ici sain et sauf. Je suis l'un des quatre doyens. Bon, d'accord. On connaît l'histoire. Ah, t'es venu, ça me fait penser à quelque chose. On raconte que l'héros des temps anciens aurait laissé dans cette mine une de ses armes légendaires. Ah, donc ça appartenait aux lignes d'Ocarina of Time, d'accord. C'est un objet de grande valeur que nous protégeons depuis maintes générations. Mais je pense qu'en ces sombres heures, elle peut nous être d'un grand secours. Nous conservons cette arme précieusement dans une pièce un peu plus loin. Va parler au gardien et prends-la. Est-ce que le gardien va me la laisser? Sans devoir prouver mon courage et ma force. Parce que dans ce jeu, on sait que les armes, on les a pas comme ça, hein. Il faut se battre hein, pour les avoir. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, ici, normalement, exactement. Parce que comme ça, je vais à la porte qui se trouve là. Voilà. Ah, mais ça se trouve, c'est là. Non, ça peut pas être là. De toute façon, il me. Ah. Donc là, je vais par là, par là. Et après, je reviens. D'accord. Et ça? Alors, est-ce que je suis. Est-ce que si je me jette? Pas encore. Ah, j'ai le soleil qui m'arrive. On va essayer. Nice. Est-ce que c'est une clé? Il faut vérifier quand même. Non. Donc, ça me sert. Ah rien, d'accord. Et là ils m'ont laissé le prendre. Sachant que j'en ai déjà 300. Ah! Ça sent le mini-boss. Exactement.
Coucou monsieur. Quoi? Un humain? Qu'est-ce qu'un humain vient fabriquer ici? Je ne laisserai personne s'approcher, surtout pas ceux qui veulent voler notre trésor. Ouf. Je vais tomber. Putain, je me suis trompé de bouton, je voulais pas faire ça. Bon, je suis en train d'essayer de voir si à long terme ça fait quelque chose, mais je vois pas. Voilà. What? Je me trompe de bouton chaque fois, c'est incroyable. Ah, il faut maintenir, d'accord. Voilà. Voilà, c'est ça. À droite, à droite, à droite. Bon, pas bien gauche. Voilà. Ah, il peut. Tu es très fort pour un humain. Peut-être que tu veux aller voir notre chef? D'accord. Va et prends l'arme du héros des temps anciens. En échange, je te demande de bien vouloir sauver notre chef. T'inquiète. Comme si c'était fait. Pardon, j'ai parlé avec lui sans en fait. Oh, putain! Putain, mais. Mais laisse. Oh! Voilà. C'est la zone de dialogue la plus grande de l'histoire du jeu vidéo, tu sais. Ah, je pense que le troisième doyen, il est à gauche. Je me demande ce que ça peut être. L'arc du héros serait une relique laissée par le héros du temps jadis. Ah bah ça. Là il y a des flèches normalement. Ah bah non. Ok, du coup. Est-ce que j'ai besoin de ça? Non, bah du coup. T'as vu l'expert? Là, y a rien. Comment je les active?
Bah voilà, elles sont activées maintenant. Voilà. Et voilà. Bah, là, normalement, je peux les déplacer, là. Voilà, c'est ça. Et là, c'est la boussole, normalement. Normalement. Exactement. Ok, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui m'intéressent? Pas l'air. Et pas l'air. Bon bah on va continuer. Hein. Non pardon. Ok donc là... Oula non attends, j'ai vu une salle à gauche là. J'ai oublié, j'ai pas vu, j'ai pas fait attention à la carte. Attendez. Je vais mettre un carton pour me faire un peu d'ombre parce que c'est un peu insupportable le fait d'avoir le soleil en pleine figure pendant que tu enregistres. Ça sert absolument à rien parce que le soleil il est littéralement au-dessus du truc. Bon bah c'est pas grave, on va faire avec. Parce que là comment est-ce que je me vois? Magnifique. Blablabla, la clé. Voilà, fonce affronter le boss. Voilà, direct. J'ai foi en ta force, après tout est parvenu à toi. Et qu'est-ce que c'est ce coffre? D'accord, ok. Ça me sert absolument à rien. Mais merci quand même. Bah on y va, mais c'est pas où? Hop, bah on le part. Mais du coup... Ah, elle est là! Si j'ai la clé, ça sert à rien que je fasse tout ça. Autant faire comme ça directement. Parce que là, je fais le tour pour rien. Là, je fais une salle, deux salles, trois salles, quatre salles. Une salle, deux salles, trois salles, quatre salles. Sachant que je passe par les coffres. On va faire demi-tour, je pense. Je pense qu'il n'y a pas besoin de passer par là. Je pense, ça se trouve, je perds du temps pour rien, mais... Oh. Gros coucou. Putain. Quoi cette zone de dialogue hyper gigantesque? Je pense que là, vu que je vais affronter directement le boss, autant finir la vidéo avec tout le temple. Putain, c'est juste...
On va se faire tout le temple en une... Hein, mais est-ce que je peux... Est-ce que je peux rattraper le chemin par ici? Est-ce qu'il y a un moyen? What? Ah ouais, je peux. Ok. Attention. Et de 1. Et de 2. Non. Et de 3. Et de 4. Voilà. Et comment je vais jusque là-bas? Merde, 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 merde. C'est pas ce que je voulais faire, c'est pas ce que je voulais faire. Hein? Voilà. Est-ce que ça me sert à quelque chose? Ah! Ah oui, d'accord, ok. Ça sert à quelque chose. Là, y a rien, y a rien. Ok, parfait. Nani. Parfait. Par là, interrupteur, exactement. Et donc là, il va faire tac tac comme ça. Voilà. Exactement. Voilà, c'est pas ce que je voulais faire. Coucou, j'avais la corde ici quoi. Ok, donc là normalement, si je me laisse tomber, y a pas de problème, exactement. Guts dans Berserk. Allez dans le feu. Et toi aussi. À l'attaque! Comme ça qu'on fait. Voilà. Bon, j'ai besoin de flèches, hein. J'ai surtout besoin de ça. Oh, y a pas de fée. Ah, c'est drôle, il n'y a pas de fée. Non, il y a toujours une fée. Bon, on va quand même sauvegarder. Quand même.
Putain, on aurait fait tout le donjon en une seule vidéo. En 40 minutes. 40 minutes, pile. Allez. Putain, vraiment, la force qu'il doit avoir entre le fait qu'il peut lutter contre des gourons, qu'il tient justement le poids avec des bottes de fer gigantesques, et il peut ouvrir une porte qui fait 6 fois sa taille, quoi. On dirait ma copine quand elle dort. C'est une blague. Nani. C'est bizarre, il a un truc qui brille dans sa tête. Qu'est-ce que c'est? Ow. C'est pas ce que je voulais faire. Ça. Ah oui, ça marche. Voilà. Même pas peur. Ah, un petit peu quand même. Voilà. Vas-y, 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 vas-y. Nice. Nani. Allez, cours, 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 cours. Voilà. Est-ce qu'il y a une deuxième phase ou ça va être ça comme ça, une troisième? Allez, viens, viens, même pas peur, même pas peur, même pas peur, même pas peur. Je suis là. Ah! Oulala, ça me plaît pas ça. Troisième phase, enfin deuxième phase. Voilà. Voilà. Allez! Quarante-trois minutes. Temple du feu. Bien joué. Donne-moi ça. Ça nous fait maintenant deux cristaux d'ombre. Voilà, cristaux d'ombre. Très bien, très bien. Pour te récompenser, je vais te conter une histoire. Xanto. C'est le nom du type qui a changé la face de ce monde. Il se fait appeler le roi des ombres. Sa puissance est colossale, à tel point que pour l'instant, tu es loin d'être de taille face à lui. Mais je refuse de reconnaître Xanto comme notre roi. Son pouvoir ne lui donne pas ce droit. Tout comme cette princesse qui n'avait que coisivité, oisiveté et insouciance ne mérite pas de diriger le royaume de la lumière. Eh bien, hein.
Mais je suppose que je ne peux lui en vouloir. Après tout, elle n'a pas eu le choix. Et je ne lui veux aucun mal. Je veux juste obtenir les cristaux d'ombre. Le reste m'est égal. Bon, il n'en reste plus qu'un. Allez, du courage. Ou xxx, mais bon, j'arrive à xxx à chaque fois. Alors, le cœur. Waouh! Oh, ma tête, hein? Quoi? Mais qu'est-ce que je fais ici? Oh, j'ai l'impression de m'être pris toute la montagne sur le coin de la figure. Bon, bah nous on va le laisser par ici. Donc on se retrouve là la prochaine fois pour aller chercher le dernier cristal d'ombre. Donc je vous remercie encore une fois de regarder mes vidéos et puis je vous dis à la prochaine.